Revue de presse, voyage, le meilleur des magazines de ce mois-ci. On commence avec le magazine Géo. Ce mois-ci, comme vous voyez, il propose un reportage spécial Laponie qui est magnifique. Les images sont juste incroyables, comme vous pouvez le voir. Également, un article un peu plus cocasse qui est sur la recherche du Bigfoot. Comme vous le voyez, ils sont à la recherche du Bigfoot avec des chasseurs de Bigfoot, donc ça, c'est assez cocasse. Également, un article que j'ai bien aimé sur la Zambie. Comme vous pouvez le voir, c'est avec les chauves-souris en Zambie et c'est ultra intéressant. Magazine Géo de ce mois-ci du mois d'octobre. On continue avec le National Geographic de ce mois-ci qui est consacré 100% à l'espace avec des images mais magnifiques, incroyables. Des images de la NASA, vous en avez vraiment plein les yeux. Donc si vous êtes des passionnés d'espace, d'infini, d'au-delà, de voyage dans l'univers, je vous recommande vraiment ce numéro spécial National Geographic France. Ensuite, on continue avec le magazine Échappée Belle, tiré de la célèbre émission de la chaîne France 5. Et ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est spécial Champagne. La Champagne est à l'honneur. Voilà tout un article complet sur la Champagne. Il y a également un article que j'ai bien aimé sur Madagascar. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de belles images de cette incroyable île, l'île de Madagascar, vraiment à connaître au travers de ce reportage. Également, un reportage sur les villes d'Europe les plus sûres. Ce qui est assez sympa si on veut se promener en Europe. Voilà, c'est l'Échappée Belle, octobre, novembre, décembre. Ensuite, je vous présente un magazine premium qui s'appelle Lux Infinity, que vous pouvez retrouver dans divers endroits prestigieux. Un article sur Marrakech que j'ai adoré, avec des superbes illustrations sur cette destination. Escale sur les routes du Sud, un très bel article également. On continue avec Ça m'intéresse spécial, 200 questions sur notre patrimoine. Donc si vous êtes intéressé par le patrimoine local de la France, ils ont divisé ça en plusieurs rubriques. Donc par exemple là on a la vie de château, vous avez la rubrique les mémoires de guerre ici par exemple, ou encore les chefs-d'œuvre en péril. C'est ultra intéressant si vous êtes passionné du patrimoine. Pour les jeunes qui aiment la géographie, qui aiment voyager, voici les fiches petits quotidiens. C'est en kiosque depuis le mois de septembre et c'est toujours en vente et vous allez voir, il est vraiment incroyable. Donc si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous conseille vraiment de le racheter. Ils peuvent découvrir le monde, il y a des fiches par pays, par continent. Vous voyez là on est en Afrique, on découvre ensuite les pays de l'Amérique. Voilà, après on retrouve des fiches comme là les Pays-Bas ou la Belgique par exemple. C'est ultra intéressant, c'est pour les 7-12 ans. Et enfin on finit avec So Good, il était une fois la forêt. Donc si vous aimez vous promener en forêt, découvrir les grands espaces, la verdure, il y a un énorme article spécial forêt. Voilà, il était une fois la forêt avec plein de choses. Et puis un supplément qui vient de tomber, qui est là également. Voilà, c'est à découvrir dans le magazine So Good, octobre-novembre.